Je vais pas le faire. Je ne fais pas promis. Je m'en vais. Je ne veux pas subir la malédiction de la porte. La porte sacrée. Ils sont violents. Ils sont dangereux. Ah, Groot, mon grand fouet. Voilà. Et bonsoir chers amis les 10 gentlemen, c'est Darkevan et j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Collectisport, bien entendu. On est là pour la chance, pour la bonne humeur, on est là pour s'amuser, pour s'enjailler, bien entendu. On se retrouve pour une découverte, bien entendu, vous l'avez vu, et j'ai beaucoup dit bien entendu, et je vais vous le redire encore une fois, bien entendu, Dead Cells. Aujourd'hui, la découverte d'un roguelike style Vanilla. Vanilla, pas comme Minecraft Vanilla, hein. Non, attention, hein, soyons polis tout de même, hein. Il s'agit bien entendu donc comme d'un style de jeu un petit peu à la Castlevania, mais donc dans un style roguelike, avec plein de choses, de la génération procédurale, du pixel art magnifiquement bien réanimé, avec plein de choses à découvrir. Le jeu est en bêta, il est disponible à 14,99€ sur Steam, et nous allons passer en immersion. Et nous allons tout de suite nous immerger. Alors il est conseillé d'avoir une manette, ils ont un petit sens de l'humour les développeurs, en plus ils sont assez marrants. Je découvre totalement. Nouvelle partie, du coup on est parti maintenant, hein. C'est une longue introduction, on a eu pas mal de temps, et maintenant, nous allons découvrir. Ah d'accord, on s'est fait chier par un tuyau d'arrosage, très bien. Putain, on dirait Metroid, mais version détritus. Quartier des prisonniers. Quoi? D'accord. Le mec, il est comme ça. Très bien. Voilà, nous avons une arme principale. Ok, on peut mettre des petites taillades. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? On peut voir la map avec cette touche. Très bien. Donc ça, pas de problème, d'accord. Et on peut se balader, sauter sur les murs, ouvrir et faire des interactions. C'est vachement sympa, d'accord. On peut rentrer là? Non, on peut pas. D'accord. Ah, bonjour Jean-Michel. Vous ne seriez pas le prisonnier décapité, vous? Ah bah apparemment j'ai la tronche d'un mec décapité, très bien. En fait, on s'est fait buter. Vous avez perdu votre langue? Bah, t'as perdu un peu la tête. Allez, pardon, on n'avait plus de langue. Ça doit être étrange de revenir d'entre les morts. Vous avez sûrement remarqué, non? Vous ne pouvez plus mourir. Seigneur, pourquoi? Vous n'êtes pas le premier dans ce cas-là, si c'est votre question. Genre, le mec est habitué, quoi. Tu vois, le mec, il est bien. Tiens, ça me rappelle Rogue Legacy. Mais oui! Je dis, c'est un mélange de Rogue Legacy un petit peu. Vous avez mieux à faire. Alors. Ok. Donc, j'imagine que je peux le récupérer. Ah! Tac. Bon, je prends de l'arc, je m'en fous. Allez. 25 dégâts, machin. Ouais. Non, c'est très bien. Alors, une porte qui coûte 1000 pièces, d'accord. Bon. Ah, la génération procédurale, etc. Moi, j'adore ce type de jeu. Ah, il y a un portail. Et là, ça va où? Allez, on peut changer d'étage. Qu'est-ce que c'est? Cette porte s'ouvre depuis un autre endroit. D'accord. Oh, ah, les mecs font des rushs et tout. Ah, ah, je connais pas vos patterns, les potes. C'est quoi ce truc? Ah, mais c'est un monstre. Ah. Attendez, je suis pas prêt. Eh, je viens de commencer le jeu. Tu te calmes. Ah, on peut esquiver avec B. Putain, merde, j'ai oublié. Hop là. Ok, très bien. Une carotte. Ah, ça me soigne. Très bien, d'accord. Putain, c'est cool. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Ah, je peux pas te... D'accord. Hop là. Tu m'as pas vu. Hop là. Oh, on est vachement à l'aise avec les contrôles. Le pixel art est vachement cool. C'est quoi ça? Ah, j'ai ouvert la porte. Et qu'est-ce que c'est ça? Un fouet électrique. Oh. J'ai même pas tiré à l'arc. On sait quoi? Remplacer. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, le fouet électrique. 120 dégâts, 80 dégâts par seconde. Vas-y, si je teste. Alors... Ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal le fouet électrique. Ça a l'air cool. On va le tester. Oh putain, ah oui d'accord, le mec m'attaque même quand je lui mets des dégâts, d'accord. À noter, s'il lance son pattern, il faut esquiver son pattern. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Il dit quoi? Bain de sang. Schéma obtenu. Quoi? Mais on m'a pas prévenu. Alors, schéma trouvé. Amenez vos schémas au collecteur pour débloquer des nouveaux objets. C'est un jeu simple et facile à prendre en main. Hop là. Très bien. Alors, on va gagner de l'or, machin. On a ouvert cette porte, très bien. Allez, ce fouet, il est génial. Voilà. La petite roulade avec B, j'ai pas encore l'habitude. Ok. Bah écoute, hein. Ça a l'air vachement dur. Hop là. Putain, mais c'est quoi ce donjon? En fait, t'as une porte pour aller au niveau suivant. Mais bon, le mieux, c'est quand même d'XP à fond avant. Hop là. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Ah, on prend vraiment très vite le jeu en main. Ça, c'est cool. Y'a rien ici, d'accord. Je suis en train d'explorer tout le donjon, d'accord. Y'a un temps. Putain, mais y'a plein de portes. Mais c'est quoi ces portes?
On peut se TP en fait, mais... Je pense qu'en fait, le truc, c'est tu chopes le maximum de stuff et après tu bouges. Oh, comment c'est? Parchemin de puissance! Améliore l'une de vos trois caractéristiques au choix. Ah, c'est stylé! Oh, j'adore, il y a plein de trucs! Vie, force, technique, augmente les dégâts de compétences actives, réduit les dégâts. Bon, bah pour l'instant, on va se mettre une vie. Ah, c'est juste un! Ah merde, bon bah, je suis bien de sous-planter. Ah, mais on peut. Ah, en fait, ça, c'est des coffres, je pensais que c'était des ennemis. Ah, salut Jean-Michel! Tout est à vendre! Ok. Dague jumelle. 165 de dégâts, 243. Ah, ouais, putain. Ouais, j'ai peut-être pas dépensé ma thune tout de suite. Mais je sais, en fait, si tu meurs, je me demande si tu perds toutes tes armes, s'il va falloir les récupérer ou pas. Ça, c'est la question encore. Alors, toi, tu vas être chiant. Voilà, c'est bon. C'est ok. Ah, oh, il y a un kunai. Attends, comment le kunai? Comment je... Non, à mon avis, je vais pas pouvoir y aller par là. Il y a peut-être moyen d'accéder par là. Oh, on peut faire un saut écrasé. Oh, je ne savais pas. Ah, intéressant, ça. Saut écrasé. Ok. Aïe, ah! Oh, c'est une bombe, ça. Ok. Wouh! Ah, ok! Ok, ça déconne pas. Bon, je vais venir te chercher. Oh, on peut faire ça? C'est abusé, ça. Ah, quand tu tapes, tu peux rester en l'air. Ah, oh, c'est chaud, je vais mourir. Ok, donc eux, ils lancent des bombes. Hop. Hop là. Alors. Hop là. Je pense que c'est déjà pas mal pour un premier run. Hein, parce que dans les roguelikes, ça peut arriver que tu le truc prévoit parfois que tu meurs, mais direct quoi. Et là, j'avoue que... On est encore pas mal. Il faudrait juste qu'ils nous remettent un peu de vie. Un peu de santé, ça pourrait être pas mal. On peut pas désactiver ce truc-là, d'accord. Alors... Alors... J'adore ce fouet, en vrai, c'est le meilleur investissement de toute ma vie. Hein. Alors, maintenant, il y a des Jean-Michel ici. Ça, c'est pareil. Ah, il y a un truc de force. Ah ouais, d'accord, lui il te tire dessus, d'accord, sans aucun état d'âme. Ah putain, d'accord, lui il me kiffe. Nickel. Voilà, on peut au moins récupérer ça, parce que ça, les trucs de force, ça reste, ça. Voilà, ça, normalement, enfin je crois. Je dis pas de bêtises. Ok, pour l'instant, on a le fouet, on a le truc, d'accord. Bon, pas de problème pour l'instant. Alors, si on regarde la carte un petit peu... Oh, il y a un coffre au trésor là-haut. Comment? Que faire? Oh! Secret. Oh! Un secret. Ah, d'accord, il y a des zones cachées secrètes comme ça. Bon, j'imagine qu'on va en découvrir plein. De toute façon, il y a plein d'astuces. Alors, comment que je peux quoi? Donc, ça c'est. Ah, le vendeur! Mais maintenant, je peux acheter plein de trucs. Moins 50% sur les prix. Empoisonne la victime. Piège à loup. RB. Piège à loup, talisman de saphir. Les pendentifs n'occupent pas d'emplacement d'équipement, mais vous ne pouvez en avoir qu'un à la fois. Vous obtenez de l'or quand vous obtenez une cellule de monde. Oh my god! Ça peut être cool. Ouais, je peux l'utiliser combien de fois? Ah, ça étourdit les ennemis. Oh, c'est pas mal. Bonjour, il y a de la morve, on peut la chatouiller, c'est vachement rigolo, mais on sait pas ce qu'on va en faire. Oh, le coffre! Ah! Oh. Oh, ça c'est beau ça. Le but, c'est juste pour justifier le fait que bah, tu vas mourir, tu vas te remettre, etc. Bombe givrante. Oh ouais! Oh ouais! Oh putain, mais hey, dès la première run, hein. Première run, pas mal, hein. Franchement, on fait une run... Il y a plein de téléporteurs que j'ai activés, il y a plein de trucs. Franchement, enfin, vraiment, je suis content. Hein. Alors ça, c'est un truc pour se TP, je crois. Mais pourquoi faut frotter, chatouiller, là? C'est un truc de fou, ça. Je peux les frotter, les chatouiller, les trucs, tu sais. Genre, tout à l'heure, mode, ok. Ouais, et du coup, il va falloir que je prenne un téléporteur, c'est ça? C'est ça que vous... Ah, mais ça se trouve, tu peux te balader dans le truc, en fait. Te téléporter. Ah. Ah, mais c'est des checkpoints, en fait. Ah, pour 1000 pièces, je pouvais récupérer un bouclier en or. Ah, mais j'ai plus de pièces. Ok. Attendez. Utilisez rune. Ah ouais, d'accord. Bah d'accord.
Nouveau défi, atteindre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dégâts, t'en restant une minute 20. Mais t'es sérieux? Non mais je vais mourir là. Ah non, non. Je sais pas ce qu'il faut là. Est-ce que je peux vraiment passer le truc comme ça? Je le fais. Non. Ok, je prends. Prise de risque. Ah, fais chier, j'ai perdu le défi. La porte a été condamnée. Ah ouais, d'accord, genre, il déconne pas. J'étais pas loin, mais franchement, j'étais pas prêt. Je suis pas prêt, c'est ma première run. Ok, et toi, il faut que je te fasse quelque chose ici? Non, je peux pas, d'accord, je peux juste te chatouiller, mais... Ok, très bien. J'adore ce jeu, j'accroche de fou. Ça, il me plaît, ce jeu me plaît, hein, clairement. Clairement, c'est génial. Moi, c'est ce style de jeu. J'ai Rogue Legacy, je l'ai fini 6 fois. Donc j'avais atteint le niveau où en fait les mobs ils changeaient même plus d'apparence, genre ils augmentaient juste leurs stats parce que bah quand tu recommences ils augmentent quand même de stats mais c'est tout. Ok, alors et vraiment bah déjà j'avais accroché ce jeu, et donc là forcément. Oh merde. Est-ce que tu peux me donner de la santé? Ah, il a un bouclier ce bâtard! Ah, ok! Je connais pas les patterns d'ennemis encore. Non. Ah, il m'attend le fumier, putain, il me reste. Donne-moi de la vie. Tu veux pas me donner de la vie? Promenade des condamnés. Oh là. Franchement, pas mal pour un premier essai. Je ne suis pas déçu. Si on meurt maintenant, je ne suis pas déçu. Clairement. Mais le fouet électrique en même temps, c'est la vie. Hein. Je sais pas quelles autres armes encore. Oh putain, la salle de torture quoi. Hein? Vous avez offensé les dieux. Un seul coup reçu et vous êtes mort. Éliminez 10 ennemis pour lever la malédiction. Tout ça pour une grenade étourdissante. Il faut lever la malédiction. Vite, va tuer des ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. En plus, une grenade étourdissante, on s'en fout. Oh non. Attends, je vais quand même récupérer le bonus. Moi, je vais mourir. Hein. Et la malédiction... Mais je pouvais pas le savoir, moi aussi, monsieur. C'est quoi ça? Grenade étourdissante, 2, 7 secondes, 33 de dégâts, plus 10... Mais c'est exactement la même. Tire une volée de flèches. Ah non. Les ennemis touchés explosent en mourant. Ah, bah du coup, on regarde ça. Il faut que j'aille tuer des ennemis. Eh ben, on a fait tout le donjon du premier niveau. Pas mal. Ok, tu feras un let's play. Bah, en tout cas, je la posterai et on verra. Bah, peut-être pas un let's play parce que... Je sais pas, mais en tout cas, je vous ferai des rediffs et peut-être que je referai des streams dessus parce que je trouve ça trop kiffant, je sais pas. Il vous plaît le jeu ou pas? Non, en plus, là, je vais arriver direct dans un donjon du niveau 2. Donc, on connaît bien les roguelikes, on sait très bien quand on arrive dans le niveau 2, il y a des nouveaux monstres, il y a des nouveaux patterns, et donc on va mourir. Et donc, tuer 10 ennemis là, me semble. Ah! Ah, c'est un boss! Très bien! Eh ben, je crois qu'on va décéder ici, hein. Parce que, bon. Bonjour. Regardez qui voilà. Ah, c'est un boss? C'est quoi? On m'appelle le collecteur! Je suis ce qui se rapproche le plus d'un type fréquentable ici. Ah, d'accord, c'est pas un boss. En échange des cellules trouvées sur tes ennemis, je peux t'obtenir quelques petites choses utiles. Et si tu trouves des schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentants, dirons-nous. Ah, oh, il y a plein d'items. J'aime ça. Amélioration permanente obtenue. Potion de soin. Vous disposez d'une fiole de soin utilisable à tout moment. Ah. Oh. Bain de sang provoque des saignements. Oh, c'est des améliorations et tout. Fouet électrique, augmenter les dégâts. Oui. Ouais, j'ai bien compris les bails, le fouet électrique c'est la vie. Ok. Tout ce que tu achètes chez moi est permanent. Même la mort ne pourrait t'en priver. Attendez, finir le premier niveau directement, sans même avoir joué. Si, on se sent bien, on se sent bien. Qu'est-ce que c'est? Fiole de soin remplie, santé restaurée. Ah bah voilà. Les mécaniques sont assez rapides, hein. En vrai, vous voyez, j'avais pas touché une seule fois au jeu, hein. J'y ai pas touché. Genre, je l'ai même pas, je l'ai regardé sur Steam, même pas, j'ai dit non, tu peux pas, non, je peux pas. Alors, on arrive au niveau 2, donc c'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors, attention.
le niveau 2. Ah, j'ai cassé les portes. Faut que je fasse gaffe. Eh, j'ai toujours cette malédiction. Qu'est-ce qu'elle me fait cette malédiction d'ailleurs? Parce que je suis là en mode ouais, t'as une malédiction et tout. Ah, mais je peux casser les portes, d'accord. Très bien. C'est quand que je vais perdre de la vie? C'est quand que cette malédiction va être levée? Qu'est-ce que beaucoup, quoi. Ah, j'adore les décors et tout. Oh là là! C'est beau le pixel art! Quoi? Mais arrête de taper toutes tes. Eh! Casse pas les portes! Les dieux t'ont puni pour ça, tu sais? Alors, du calme. Ah oui, bah, eh! C'est bon, je casse pas les portes. Et si je le fais? Payez le tribut, retournez sur vos pas. Si je coupe les. Je vais pas le faire. Je vais pas, promis! Je m'en vais, je ne veux pas subir la malédiction de la porte! La porte sacrée! Ils sont violents, ils sont dangereux. Ah, groute mon grand fouet! Voilà. Oh, il y a un gros là-haut. Oh, il y a des dagues jumelles! Ah, vous savez quoi? Je vais remplacer. Je vais remplacer mon épée rouillée pérave là. Ouais. Wouah, wouah, wouah! Salut! What? C'est quoi ce monstre? Ah, d'accord, il peut juste se TP, mais il te fait pas de dégâts, d'accord. Il m'a fait peur, hein, les effets spéciaux. Salut! Tchac 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 ninja! Oh, elle est cool cette. Oh, c'est dague! Oh, tchac 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 ninja! Oh, c'est bon ça! C'est bon ça! Ah, y a un peu du monde là! Y'a un peu du monde! Hop là! Ah, tu veux? Hop là! Tchac 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 ninja! Ah non! Quoi? Vous avez perdu. Hein? Ah, c'était ça la malédiction! Je vous ai touché, j'étais mort! En fait, je crois que c'est ça en fait. Voilà! Et on revient. Oh, c'était trop bien, je commence à avoir des armes de ouf! Ah, donc on est d'accord. Déjà de retour. On n'a pas l'air de très bien passé pour vous, on dirait. Ah non, ah non, ça. Ah, ça non. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois. On croirait presque que cette île est vivante. C'est ridicule, n'est-ce pas? Mais oui, ça s'appelle la génération procédurale. Donc voilà, donc on a ce bail là. Et donc là, on repart, voilà, avec le choix. Alors, l'arc. Ben, je vais essayer l'arc. Pas essayer l'arc encore. Ah! Je suis poursuivi par une flèche. Ah! Alors ça, j'ai recours. D'accord, c'est un peu nul l'arc quand même. Ok. Ah! Tourelle horizontale. C'est trop dangereux par ici. Je crois que je vais mourir. Je peux pas attaquer avec mon arc. Ouais, je préférais mourir parce que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Ah. Ouais.